Quand la patrouille de France salue La Rochelle, c'est aussi pour ça. À plus de 20 nœuds sur l'eau, les pilotes sont à la barre de Maître Coq, sous l'œil de Yannick Bestaven. C'est beaucoup d'émotion parce que c'est quand même un bateau qui a gagné le Vendée Globe. Je pense que dans ma vie, j'aurais pas d'autres occasions comme ça. C'est impressionnant. Je m'attends à quelque chose de très dur, non, c'est vraiment quelque chose de fin et je pense que c'est comme un avion où finalement le pilote a 2-3 doigts sans aucune force mais avec que des mouvements francs. En fait, c'est le match retour. En mars dernier, c'était le vainqueur du Vendée Globe qui était invité à bord d'un Alpha Jet de la patrouille de France. On fait vivre il y a quelques semaines dans leurs avions a été mémorable pour moi. J'avais vraiment envie de leur rendre l'appareil et ils ont tous la banane et en quelques heures, ça y est, ils s'habituent et ils barrent le bateau aussi bien qu'ils naviguent avec leurs avions. Donc c'est un bel échange. L'histoire a débuté le 8 novembre 2020 lorsque la patrouille de France survole la flotte des IMOCA au départ du Vendée Globe. 7 mois après, personne ne s'attendait à cela. Aucun des 9 pilotes n'avait imaginé un jour mettre un pied à bord de ces bateaux. C'est un échange en tout cas magnifique hein, parce que nous on a été très heureux d'emmener Yannick en vol pour lui montrer aussi notre savoir-faire et puis voilà comment ça marche dans la patrouille. Et lui très gentiment nous invite en match retour et ce qui est vraiment extraordinaire c'est qu'évidemment entre l'environnement marin ou l'environnement de l'aviateur il y a beaucoup de points communs. Une journée entière à tirer des bords dans le Pertuis devant La Rochelle à plus de 20 nœuds sous un grand soleil. La patrouille de France a décollé ce matin. Cap sur Salon de Provence, des souvenirs plein la tête et les ailes pleines d'embruns.